Salut tout le monde! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo! Alors aujourd'hui on se retrouve avec Janek. Oui, c'est moi. À nouveau pour Amar vs Sous-Marc. Alors, j'ai pris note de vos commentaires de la dernière fois. Il y a moins de choses et on va essayer d'être un peu plus... punchy. Voilà, dynamique. Même si c'est le soir et qu'on les coupe au chaos, c'est pas grave. On a pris 5 produits, on a pris du salé, du sucré, j'ai fait une boulette, il faut que je vous le dise tout de suite. J'ai voulu qu'on compare les escargots en chocolat, hein. Je vous arrête tout de suite, on va pas parler escargots de Aldi. Donc du coup j'ai acheté une petite boîte d'escargots Aldi et j'ai acheté des escargots de l'Anvin. Jusque là tout va bien, bon ils avaient pas la même taille mais c'est pas grave. Sauf que ce que j'ai pas vu c'est que dans les escargots d'Aldi, c'est aux éclats de noisettes. Ce qui n'est pas le cas des l'Anvin. Donc clairement, à partir du moment où on les aurait eu dans la bouche, on aurait tout de suite fait la différence. Donc résultat des courses, on a tenté un plan de secours qui est un chocolat blanc Ivoria vs Nestlé. On va se démerder comme on peut. Voilà. Mais on les goûtera quand même, hein. Oui, oui. Mais c'est con. C'est dommage. Bref, sinon autrement, on a du fromage à raclette puisqu'il y avait une promo raclette à Aldi. Donc, ça, voilà. C'est pour moi. Ça, c'est la classe. On a yaourt. Alors, je n'ai pas... Ça, c'est pas pour moi. Je n'ai pas acheté de yaourt, c'est une collaboration que j'ai avec Carrefour. Ils m'ont envoyé des produits bio, ça se passe sur Instagram en fait. Et du coup je me suis dit bah autant tester un yaourt bio du commerce avec un de mes yaourts à moi, voir si on arrive à faire la différence. Exactement. Ça va être sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit Michelin? Bah quoi c'est elle... Et bah quoi c'est pas été. Je voulais en fait des choses qu'on allait manger à l'apéro un petit peu ce soir et demain. Et du coup j'ai trouvé du tartinable de surimi et crabe tourteau saveur crabe de la marque Simon saveur en or Hauts-de-France. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'ai jamais entendu parler mais... Moi non plus. Ouais, VS délice surimi crabe de chez Odyssée. On est beaucoup moins... Voilà, après voilà, peut-être que le fait qu'il y ait du crabe, ce sera peut-être... Je sais pas. C'est ce que j'ai trouvé plus similaire en fait. Ouais, ouais. Voilà. Ensuite. On n'a pas l'habitude vraiment du surimi crabe. Boursin apéro VS apéro pâturage. Hein, oui, vous savez, les trucs enrobés de. Ça, on adore. Hein. Ouais, donc du coup, ça passera bien demain. Là, c'est juste pour savoir si on arrive à différencier. À différencier. Là, le pain n'est pas un truc, c'est du pain à nous. Hein. C'est du pain maison qu'on va. C'est pour le tartinable. Voilà, et le petit bandeau, alors j'ai pris un bandeau à cheveux qu'on va se mettre sur les yeux, ce sera plus pratique. Plus facile. Hein. Et je vous présente mon verre d'eau. J'ai pas prévu de boisson cette fois-ci. Non mais c'est pour me rincer la bouche, j'ai pas prévu de cuillère pour ça, donc on verra après. Bref, on y va, c'est parti. Par contre, comment c'est qui commence à... C'est qui commence? C'est qui? C'est toi qui dis c'est qui commence. Et ben c'est toi, tiens. Cotesque. Mets ça. Voilà. Alors, donc, fromage à raclette. On commence tout de suite par fromage à raclette. Non, ça... Ça va derrière du coup. Je normalement, sais. Ça va devant. Je sais. Mais... C'est bon, appelle-moi con. Bah, je sais pas, hein. On sait jamais, peut-être. Je t'appelle con. Bah, con. Avec les éclairages, je sais pas si tu vas pas voir à travers. Non, bah, je ferme les yeux en même temps. Bon, bref, du coup. Fromage à raclette. Pour ceux qui connaîtraient pas le concept du Marc vs Sous-Marc, au cas où vous tombiez sur cette vidéo par hasard en vous baladant sur YouTube, en gros, on goûte un produit d'une marque, un produit d'une sous-marque ou marque distributeur et on essaie de deviner lequel est la marque et lequel est la sous-marque. Voilà, c'est le concept du Marc vs Sous-Marc. Et parfois, on a des bonnes surprises. Je vous renvoie sur d'autres vidéos qu'on a fait de ce type-là où on aime la sous-marque ou la marque distributeur par rapport à la. Bref, ça fait beaucoup de fois Marc. Dans un truc, comme d'habitude, je vous aurais mis des petites captures d'écran. Donc on va commencer avec le fromage à raclette. Donc j'ai pris de la raclette en tranche label rouge de chez Aldi, au lait français. Et du Richemont la raclette, j'ai trouvé à Inter. Du classique lait de montagne français. Donc Aldi versus Richemont, c'est parti. Alors on y va. Alors donc du coup, on est parti avec... Ça pue, je vous imaginez même pas à quel point ça pue des pieds dans la baraque. Je vais lui donner déjà le premier qui est celui-ci que vous verrez s'afficher. Hop, voilà, comme ça t'as les doigts qui puent, tu peux y aller. Il m'a demandé de laisser la croûte, idéalement moi s'il peut m'enlever la croûte je la mangerai quand elle est cuite, enfin fondue, voilà. Du coup on s'est prévu une raclette dans 2 jours, on vous tombe ça un vendredi soir, du coup on s'est prévu une raclette dimanche je crois, je ne sais plus il me semble. Donc on se régalait. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? C'est du fromage à raclette. Bah, le deuxième. Bon. Donc le deuxième, c'est celui-là. Bien sûr, je vais pas lui donner le même. Quoique, un jour, ça pourrait être marrant. J'ai dit qu'on allait compter les points d'ailleurs. Il faut que je prenne un petit truc pour marquer. Donc vous les verrez s'afficher là, mais moi je prends un petit pense-bête. Histoire de pas me tromper en fait. Entame le deuxième. Vas-y, entame le deuxième. Là, c'est le Richemont.
Bien joué. Me dis pas trop pourquoi, mais parce que je vais goûter. Voilà. Richemont, vendu. Bon, vas-y. De toute façon, c'est déjà prédécoupé. Enfin, prédécoupé, c'est déjà coupé. Tu peux éviter de me donner la croûte. J'aime pas la croûte. S'il te plaît. Bah, faut que je la découpe. Bah oui, il y a un couteau. Ah la vache. Ah. Donc voilà, c'est le tour de Séverine. Elle va tester, goûter. Alors, donc voici celui que je mets. Ah. En premier. Je lui ai demandé de m'enlever les croûtes parce que j'aime pas les croûtes. Alors, le fromage à raclette cru, c'est pas, enfin cru, ouais, c'est pas fondu quoi, c'est pas trop mon truc, mais bon. Il est bon. Donc ça, c'était le premier, donc je lui mets le deuxième et je vous le montre. Voilà. Oh, il est plus fort celui-là. Alors, à ton avis. Je pense que c'est le Richemont. Et le premier c'était le Aldi. T'es sûr? Je sais pas, je me suis trompé. T'es sûr? Oui. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le Richemont, clairement, il pue les pieds. Ah, okay. Et le Aldi, je le trouve plus. Il est bon, hein? Ouais. Bah déjà, rien que dans la main, il est plus ferme. Mmh. T'as vu? Mmh. Il se tient mieux. J'ai l'impression que le Richemont est plus grand. Mmh. Il est moins. Bah, je trouve, c'est certain. Mais il est moins fort, je trouve, le. Peut-être que c'est pour mieux. Le Aldi. Mais j'avais. Alors, clairement, je pense que j'ai jamais dû manger de fromage à raclette Richemont. Hein. Je prends toujours du marque distributeur. Il est pas mauvais, hein. Franchement, il est pas mauvais. Voilà, ensuite on continue. Ça. Alors moi j'ai envie de manger de la tartinade. Eh ben allons-y. Tu me le fais? Bon, là on est parti sur la tartinade de thon, j'allais dire. Ouais, enfin la tartinade de surimi à base de crabe, oh, ça hein, sent pour, fort. Les, pour les deux. Il les a ouverts, je sens ça, super ça fort sent le truc. Très fort, voilà. Donc, oui. Voilà, donc là le bout ici, là, face à toi. Là. Il y en a dessus. D'accord. T'es pas obligé de tout manger. Hein. Donc ça, c'est celui-ci. C'est pas bon. C'est bon, mais c'est. C'est pas mélangé. Donc pour moi, c'est du surimi à la mayonnaise. Vraiment. Hein. La mayonnaise au surimi ou du surimi à la mayonnaise? La mayonnaise au surimi avec une petite sauce cocktail dedans, je pense. Ok. Alors, testons le deuxième. Mais il y a des morceaux. Et où? Attends. Ah, je sais pas, moi, tu me dis testons le deuxième, je cherche. Voilà. Tends-moi ta petite main, donc là, attention. Ici. D'accord, j'ai les doigts dedans, c'est bon. Voilà, t'as les doigts dedans. Donc là aussi j'ai l'impression que ça va donc le voilà pour vous. J'ai l'impression que ça va être aussi aussi de la sauce au surimi. Bon, les deux en fait c'est la préparation est déjà finie hein, donc ils y vont pas de main morte avec la sauce avec l'accompagnement. Je sais pas, comme j'ai jamais goûté les deux. Alors donc voilà, il y avait de l'Odyssée et du Simon et de l'Odyssée, à Séverine de deviner lequel. Donc pour rappel, le premier. Bah, alors franchement, n'ayant mangé aucun des deux, je serais tentée de dire que le deuxième que tu m'as donné c'est le Simon et l'Odyssée c'est le premier. Pourquoi? Parce que je trouve que le deuxième il a plus de goût. C'est pas tard. Est-ce que c'est ton dernier mot Jean-Pierre? Ouais. Eh ben c'est ça. C'est ça? C'est ça. Donc celui-là en deuxième. Le deuxième, c'était bien le Simon. Je vais séparer deux morceaux de pain, comme ça je vais lui faire sur un morceau, il va se mettre tout le morceau dans le bec. Non bah attends, attends. Allez, j'ai la dalle. Dalle. Ça c'est le premier. Alors c'est surtout le bout de pain moi, hein. J'ai tout étalé, si tu veux te mettre tout dans la bouche tu peux, autrement tu peux croquer. Il y va. Hein. Donc celui-là, de toute façon je vous l'aurais affiché. Le deuxième c'est pareil, il y a tout sur le bout de pain. Ça c'est le deuxième. Mais c'est flagrant, enfin pour moi c'était, enfin c'est flagrant, non. Mais je dis rien parce qu'autrement ça va pas le faire. Oui. C'est ivoirien. Ivoirien c'est Ivoirien ce chocolat. C'est Jaya Capinigou. Mais dis inter au pire. Hein. C'est inter. Ouais. T'es sûr? J'ai envie de dire que oui. Il est moins goûtu celui-là. Il n'a pas de retour et du slip et du tabouret non plus. Il est moins goûtu, il a moins de retour. Et j'ai l'impression que celui-là, on n'a pas réussi à le faire rentrer avec la grenouille dans la bouteille. Ouvre, enlève ton truc et t'as devant toi le dernier que t'as goûté. Et ben voilà, c'est ça. Bien joué. Tu trouves pas que le Simon, il a meilleur goût, la sauce.
C'est pas la ça. Sauce en fait. Bah en fait, moi je préfère la texture de l'Odyssée. Dans l'Odyssée, les morceaux sont coupés plus fins, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus de surimi de crabe. Alors que dans le Simon, j'ai l'impression qu'il y a, un peu moins de surimi et un peu plus de sauce. Perdu. Donc, alors, c'est l'impression que j'ai. Après, c'est vrai que le Simon, au goût, il est un petit peu. C'est la sauce que je kiffe. Au-dessus. Dans le Simon, il y a 45% de surimi. Dans le Inter, il y a 40%. Et il y a 14% de chair de poisson dans le Inter. Et 17% de chair de poisson dans le Simon. Vous voyez comme quoi, l'impression. Et il y a 5% de chair de tourteau dans celui-là, dans le Simon. Et il n'y en a pas dans celui d'Inter. Parce qu'il n'y a pas marqué avec morceaux de crabe dedans. Lui, il y a marqué juste surimi. Ah bah si, pourtant il y a marqué surimi et crabe. Il est où le crabe? Attendez, il doit être à la fin. Il n'y a pas de crabe. Ah si, chair de crabe 7%. Autant pour moi, il y a plus de crabe dans le Odyssée que dans le Simon. Le tourteau, c'est du crabe. Oui. Eh bah oui, eh bah. Il y a 5% de chair de 7% de chair de crabe et dans l'autre il y en a que 5. Il y a que 5% de chair de crabe. Mais il y a plus de chair de surimi. Voilà. Ouais. On part sur les bouchées apéritifs pendant que t'es dans ta lancée. Oui, oui, vas-y, vas-y. Donc vous apéro. Connaissez tous les bouchées apéritifs boursin enroulées dans du jambon fumé, ail et fines herbes. À chaque fois on prend les inter parce qu'elles sont bonnes, mais de temps en temps on prend les boursins, donc du coup on y va. Absolument pas ce que tu fais. Tu vois, ben heureusement. Quand t'as dit mon apéro, tu vois, j'ai pensé à Patrick Chirac, je sais pas pourquoi. Rien que l'aspect visuel est différent, j'essaierai de vous zoomer au montage, puissiez voir la différence. Là c'est plus propre, et là c'est un peu foutu en vrac, on dirait. Bref, on y va. Allez, le premier, je lui fais goûter, tends la main. Je t'en mets un en entier dans la main, c'est celui-ci. Donc là, il y a quoi? C'est jambon fumé et fines herbes pour les deux. Oui, mais les marques. Ah, pardon. Boursin et pâturage. Boursin et inter. Donc là, t'en as goûté un. Mmh. Et maintenant, voilà le deuxième. On est égalité pour l'instant tous les deux au niveau des points. Il va falloir qu'on arrive à se démarquer quand même à un moment donné. Je dirais pâturage. Là. Celui que t'as l'an dernier? Ouais. Ouais, bien joué. Il doit y avoir une sacrée différence, je pense. Non. Non, franchement, non. Je sais pas. Ça ne joue pas au niveau du fromage, la différence. Bah, tu vas voir l'aspect visuel, tu vas voir tout de suite la différence. Me dis pas trop, je vais essayer de trouver. Me dis pas. Après, on en rediscute après, au pire, si tu veux. Mais tu veux revenir à droite. Ouais, ouais, disons que c'est plus facile de tester à gauche. Bon, écoute, j'en sais rien. Réflexion mais à la con. Voilà. Regarde la différence de présentation et de réalisation dans le boursin et la différence avec le inter. Tu vois? Ouais. Mais après, ça change pas que le inter il est très bon. Hein. Ouais, non, mais en fait, je te dis, je pense que la différence. Je verrai. Je vais peut-être me faire avoir. Il faut que je te marque ton point sur le truc. Faudra que j'y pense. Attends. Je l'aurais marqué sur la caméra. On va prendre un de chaque. Suite. Donc voilà le premier, donc je vous le montre à vous. Oh, il fallait rater ma bouchée. Voilà. C'est très bon. Je me doute, hein, c'est très bon. J'adore ce et genre donc, de voici le deuxième que je vous montre à vous. Quel boursin. Le deuxième. Sûr, 100%, ma main coupée. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Le goût du jambon déjà, parce que je pense que celui d'Inter, on n'est pas sur du jambon fumé. J'ai l'impression. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Ouais. Alors, je ne savais pas du tout lequel avait du fumé ou pas du fumé. Hein. Je ne savais pas si c'était ça. Tu peux regarder? Oui. Mais c'est vrai que le jambon, c'est la différence la plus notable. Là, c'est sur pâturage, apparemment. C'est du jambon simple, je pense. Hein. C'est du jambon blanc, ouais. Enfin, c'est la réflexion que je me suis faite. Non, jambon cru fumé. Je pense que c'est du cru fumé, mais. Pas la même qualité, peut-être. Je pense que c'est en termes de qualité. Ouais, on n'est pas sur le même. Non. Et boursin, je pense que les tranches sont plus fines également. Ouais. Plus fines, le fromage est plus tassé. Il est plus ferme. Et du coup, la texture entre les deux est très différente. Mais c'est très bon tous les deux. Ah oui, non, mais les deux sont très bons. Hein. Et c'est vrai que oui, c'est radical. Le goût du boursin, en fait, il est assez gommé par le jambon.
Oui, parce que le jambon, il est vachement fort. La différence entre le boursin et l'autre, en fait, c'est assez gommé. Quand on se met le boursin dans la bouche, on a directement le jambon qui prend le pas. Et c'est, en fait, c'est comme ça que j'ai tout de suite deviné. J'avais même pas croqué dedans, je savais que j'avais le boursin dans la bouche. Il nous en reste deux. Ouais. Yaourt nature et chocolat blanc. Mais écoute, je t'en prie, commence. D'accord. Un truc. Deux secondes. Prends deux cuillères. Remplis-les et pose-les sur le plan de travail parce que ça fait pas du tout le même bruit. Le pot en verre et le pot, ça va être grillé directement. C'est le petit conseil. Alors voilà. Donc là, j'ai une cuillère en face de chaque yaourt et je vais lui en passer une. Attention, tends ta main. Tu me la mets dans la bouche, hein. Ou je vais plutôt lui mettre dans la bouche. Hein. Voilà, ce sera plus pratique. Mm-hmm. Puis je vais la garder dans ma main sans faire de bruit, tout ça. Mm-hmm. Ah. Donc là, c'était le premier, je vous le montre. Et donc voici l'autre. Mm. Ça, c'est mes yaourts. C'est mes yaourts, le deuxième, sûr. C'est exactement sûr. Elle en mange tous les jours, c'est donc sûr. Pour elle c'est facile. Pour moi, ce sera peut-être plus compliqué. Je ne les mange pas nature. Les yaourts nature. En général, j'aime bien avec de la compote et tout. Non, mais rien qu'à l'odeur, je pense. Non, mais le goût. Oui, le goût, la texture et le goût. Enfin, c'est mes yaourts. Bon, c'est Darty, mon kiki. Alors moi, je mange, pour ainsi dire, jamais yaourt nature. Voilà, donc. La dernière fois, ça devait être il y a 5 ou 6 ans. Un truc comme ça. Donc ça, c'est le premier. Ah. Ok. Ouais. Et ça, c'est le deuxième. Ah, j'ai une chance. On dirait du fromage de chèvre. Du fromage de chèvre. Oui, alors ça m'étonnerait que ce soit les tiens. Je sais pas. Quoique. Ou alors un vieux. non, c'est pas des vieux. Franchement, ils sont j'en du... sais rien. Ils sont du 1er novembre. On tourne, on est le 5. Franchement, ça ressemble à du fromage de chèvre. Donc je dirais que c'est le yaourt bio du commerce. C'est Carrefour. Yaourt bio Carrefour et le premier est le mien. Ouais. C'est sûr. Non, mais. C'est séparation obligatoire si tu te plantes, hein. Ouais. Bon, enlève ton truc. Ouais, je dois voir quoi. C'est le deuxième que t'as pris. Voilà. Voilà. Alors, moi, c'est pas du tout. Alors, le goût, ouais, mais c'est surtout la texture. Ça, c'est crémeux. Ça, c'était pas crémeux du tout. Ceux-là, ils ont le goût des yaourts nature du commerce, les yaourts standards. Mmh. Celui-là. Ils sont au lait entier. Et je pense que le fait qu'il soit au lait entier, ouais, ça doit jouer. C'est a, différent. Moi, j'ai fait au lait qui se rapproche de mi-écrémé. Du crottin de chèvre. C'est un truc de fou comme c'est fort. Hein. Ouais, c'est très fort. Hein. Ou alors c'est juste parce que me concernant, parce que j'ai jeûné quand j'ai ouvert les yaourts, ça m'a fait bizarre parce que on n'achète plus de yaourts. La dernière fois qu'on en a acheté, c'est quand on est parti en vacances il y a un an. Donc du coup, depuis, on n'a pas racheté de yaourts. Donc je n'ai pas mangé de yaourt nature du commerce depuis. Très longtemps. Ah oui, non. Voilà. Les yaourts nature du commerce, ils ont ce goût-là. Hein. Ceux-là aussi, enfin les bio, on en mangeait à une période, ils avaient ce goût-là, mais j'ai plus l'habitude de les manger. Lequel t'as préféré au niveau du goût? Ceux-là, vraiment. Comme quoi, faites-vous yaourts maison, vous allez voir, c'est top. Du coup, on se rattrape aux branches à la place de ça. Voilà, entre deux fromages blancs. Entre deux chocolats blancs, la fatigue commence à prendre le dessus. C'est la fin de la semaine. Bon bah vas-y, mets-le-moi dans la... Donc normalement c'est des emballages neufs, hein, mais je vous dis, j'ai chié dans la colle, il faut le dire, de toute façon j'ai chié dans la colle. Bon, après toi, est-ce que t'aimes le chocolat blanc? Oui, ça va. Pas à grosse dose. Ok, bon moi je peux en manger 8 kilos. Alors ce qui est bien c'est que les... Après, sont comme tout le monde, quasiment 8, kilos, 8 kilos de chocolat blanc, je vomis, hein, évidemment. Ah, j'ai vu qu'ils avaient sorti un calendrier d'avant Galak. Oh. Ouais mais c'est du Galak, c'est pas pareil, c'est que du sucre. Le premier. On ne vomit pas. Le premier. Prends la main. Tiens. En plus, c'est du chocolat dessert en plus. Hein, donc, je sais pas si ça a trop de différence, mais normalement, il est bon. Il y a quoi là? N'attaque pas. Alors, il y a du Ivoria et du Nestlé. Dessert, okay. Les deux.
J'ai déjà ma petite idée. Mmh. J'aime bien, c'est l'odeur au chocolat blanc. Deuxième, c'est celui-là. Toi, tu vas me faire. Oh, on va être égalité. Voilà, voilà. Ça, c'est... Ah, punaise. Oh, si je me viande, je perds. Tout le monde est égalité, quoi. Non, mais là, c'est pas parce que je connais le Nestlé. Pardon. Tu vas voir. Tu vas... Bon, ok, vas-y, PPT, vas-y. Tu vas sentir la différence déjà. Tout de suite. J'ai déjà fait les carrés. Ha. Ha. B. Ça, et c'est Denis Brognard. Quel ha. 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 Ah, c'est ça. Ha. On a Juliette qui dort. Chut. Et là, je... En fait, ce ne sont pas mes deux vrais bras. Ha. Oh. Voilà. Bon, on fait goûter. C'est un peu ça. Vas-y, fais poteille. Ah. Lol. Hey, tu sais que j'ai pas d'équilibre quand j'ai les yeux bandés. Eh ben, mets-toi contre la table. C'est pas une table, c'est un bar. Bon, ça c'est le premier. Ouais, fais comme toi. Et voici le deuxième. Je suis désolé, mais il va y avoir égalité. Alors si en plus on avait eu du galac pour comparer, alors là c'était... Top du top. Nestlé. Lequel? Le premier. Deuxième. Deuxième. Ok, bah c'est ça. Bah oui. Il y a vraiment une différence. Hein. Il est pas bon celui-là. Il est fade, il a aucun goût. Il est pas bon. Il est pas assez sucré, il est fade au niveau du goût. Donc je pense que la préparation, elle est à revoir. Ah la vache. Ivoria là, chocolat blanc faute de goût. Hein. Voilà. Ouais, il est pas bon. Ouais, on dirait du vieux chocolat passé en fait. Et la date de péremption. Novembre 2021. Je l'ai ouvert il y a 2 semaines, donc il n'est pas passé. Hein. Ah bah si, il a pris l'air, voilà, c'est fini. Oh, tu rigoles. Ah bah, je ne sais tu pas. Tu rigoles. Bon bah bref. Faute de goût là, il m'aurait... Égalité. Vraiment. Égalité parfaite. Parfaite, non, faut nous départager avec un produit à la con, hein. Y a pas d'autre solution. On n'a pas de produit à la con. Voilà, sur les escargots. Lequel est un escargot parmi, parmi les deux? Bah les deux, voilà. Vas-y, on goûte. Ouais, ouais. Allez, c'est le bonus. C'est le bonus, voilà. On n'a pas besoin de se bander les yeux, c'est vraiment pour... Non, parce que on va vous donner notre avis. La dernière fois, on m'avait dit en commentaire, oh, c'est dommage, vous donnez pas votre avis. Bah si, on vous donne notre avis à chaque fois, on vous dit celui qu'on préfère et pourquoi. Je pense que c'est donner notre avis. Donc là, on teste l'Isora. Ah oui, je clash, voilà. Alors ça, c'est Aldi. J'ai pas payé très cher, je crois que c'était 3€. Je vous remettrai le prix, je crois que je vais l'avoir. C'est bon, hein? Bon. Toi, alors, je vous l'ai pas dit. Zanek, c'est un grand fan des escargots de l'Anvin. Pas que. Pas du Pyrénées. Pardon. Moi, j'ai du chocolat très... belge et du chocolat Côte d'Or, de manière générale. Donc, franchement, je le trouve très bon. Alors, là, je vais donner mon avis. Vraiment, de façon objective. Par ton avis, oui. Je les trouve lourds. Le chocolat qui entoure est assez épais. La farce. Le praliné à l'intérieur est déjà très sucré, mais ça, pour un praliné, c'est normal. Ça paraît un peu normal. Même si je pense qu'il pourrait être un petit peu plus ledge. Oui. Mais en bouche, la mâche, voilà, fallait vraiment y aller parce que. C'est très très lourd, ouais. Moi j'ai trouvé bon au niveau du goût. Il est bon au niveau du goût. C'est un bon, chocolat, bon praliné. On appelle ça des crottes en chocolat, c'est un peu ça, fourré praliné. Les crottes en chocolat, c'est autre chose. Ouais. Attention. Attention, là tu vas en vexer certains. Mais non. Bon voilà. Me tapez pas. Non mais franchement, ils sont bons. Clairement, de toute façon, on avait testé déjà l'année dernière. On avait fait Pyrénéen, je crois. VS, les Isora de Aldi. Bien sûr, on avait reconnu les Pyrénéens sans problème, mais l'Isora, c'était pas mauvais non plus. Les Pyrénéens, ils étaient à moins 12 degrés, forcément. Hein. Et du coup, là, on est. Alors, c'est des mini escargots, mais c'est exactement les mêmes. Alors, déjà, ils sont petits. Une chose, j'avais pris ceux-là parce qu'ils étaient en promo et qu'ils revenaient 2 fois moins cher qu'une boîte normale. J'ai pris 2 paquets. Faut dire, ils font la moitié de la taille. Oui, mais je t'ai pris 2 paquets. Ça me revenait au même prix. Même pas, ça me revenait encore moins cher. On était à 23€ le kilo pour ceux-là et 47€ les autres. C'est les mêmes, hein. 47€ le kilo. Ouais, ça fait ça pique, hein. On y va ? Toujours est-il qu'on goûte. Ah, avant ça, c'est qu'on goûte tout dans la bouche. Ah oui.
Ça fait pas le même goût. Ah oui, on sent les amandes et les noisettes dedans. Le goût. Alors là aussi, il y a un peu de mâche. Mais c'est le chocolat qu'il faut mâcher. Le praliné, il est très léger. Le praliné, il est crémeux. Il s'évapore dans la bouche. Voilà, après, c'est pas la même expérience. Et puis, c'est pas le... Les maîtres chocolatiers chez les deux n'ont pas forcément le même goût non plus. Donc après, ils font selon ce qu'ils préfèrent aussi. C'est pas comparable de toute façon. Par contre, je viens d'avoir une idée. Pour toi, pour te, essayer de te faire deviner un truc, j'ai un piège à te filer. Oula, tout de suite maintenant? Ouais, tout de suite maintenant. On reste dans le chocolat. Voilà. C'est juste, tu dois me dire lequel est la marque, lequel est la sous-marque. Ok, alors attention, un bonus, c'était pas prévu, je suis pas au courant. Elle veut me faire goûter deux trucs. Donc c'est du chocolat, je te dis ce que c'est du chocolat noir. Chocolat noir, d'accord. Voilà. Chocolat noir quoi, dessert? Non, chocolat noir. Consommation, okay. Consommation et tout. Donc le premier... Je me reste un peu la bouche, j'ai encore le goût du praliné. Tu veux de l'eau? Non, c'est bon. Ça, c'est le premier. Donc, c'est celui-là. Il est bon? Et ça, c'est le deuxième. Ok. Ça, quoi? Bah, c'est du chocolat noir aussi. Ok. Il faut que tu me dises dans les deux que tu as goûté lequel est la marque, lequel est la sous-marque. Je te dis pas la marque, ça, tu verras. C'est compliqué, hein? Tu me fais une blague? Bah non! C'est le même goût. C'est le même goût? Même goût. Putain, c'est ballot. Bah lequel est le bon alors? Le bon quoi? Bah lequel est la marque, lequel est la sous-marque? Franchement, impossible à dire. Même goût. Bah au pif. Au pif? Non, vraiment, c'est. Je saurais pas te dire. Le goût est similaire. Bah oui, mais du coup. Ils sont sucrés pareil. Ils ont le même croquant, le même goût chocolat. Impossible à dire. Bon bah... T'as perdu alors? Ouais bah ouais. Bah vas-y, enlève ton truc. T'as goûté deux fois le même. D'accord, bah, voilà. Je voulais voir si t'allais me faire dire ouais non mais celui-là il est meilleur que l'autre et tout. Mais non, tu étais pas... Non bah question de cohérence hein, tu vois, c'est... Voilà. Non mais j'en avais pas d'autres en fait. C'est le chocolat noir que Juliette... C'est le chocolat noir Juliette. Bon voilà, Non, elle n'a pas réussi à me piéger, ça je voulais plutôt... piéger, c'est fier hein. Ouais, mais franchement j'aime bien. Et je me marre tout le long. Hein. Oh, fallait une petite boutade à la fin. Ouais, bah c'était ouais, nul, ouais. La prochaine fois tu m'en feras. Ouais, les gens vont bien rigoler. Hein. Ah oui, je pense. Ils mais... voient mais... la vie toi. Oui, tu t'es du perdu. Ça, ah, non, j'ai ah, pris celui-là. Hein. Et le deuxième. T'auras ta vengeance dans la prochaine vidéo. Ah ouais, je trouverai un truc. Ouais, mais ça sera pas un marque VS ou marque. À base de douche froide et de... Ouais, ça va. Attention, il y a le chat derrière, il marche pas sur la queue. Tiens, je lui ferai manger du pâté. Ah, du pâté, pâté de chat. Tu m'en veux? De? De t'avoir fait une blague. Bah non, t'as pas réussi à me piéger. Bah non, non. Ah, bah, quand tu m'as dit... un cheveu de Juliette. Tu m'as dit, tu me fais une blague. Pourquoi il y a encore un cheveu? Non, ça, celui-là, il est à moi, c'est un petit. Tu m'as dit, tu me fais une blague, j'ai dit bon bah c'est mort, il a grillé et tout. Il a un bon goût quand même parce qu'il a un super bon palais. Parce qu'on peut se mélanger en ayant les yeux bandés, on peut imaginer qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre et tout. Non, lui, pff, rien, c'est mort. Je suis pragmatique, je suis objectif. Ah là là. On en a discuté tous les deux pour la prochaine vidéo. Là, il va me dire non, je suis pas au courant. On fera un qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche pour la prochaine vidéo. Mais on a passé un pacte. Pas de vacherie. Moi, c'était pas une vacherie, c'était pas dégueulasse ce que je t'ai mis dans la bouche. Ouais, ouais. Donc on avait dit pas de vacherie, mais ouais. On prendra dans la maison, dans la cuisine, mais on a dit genre pas de cuillère de moutarde, pas de cuillère de poivre, pas de truc. Bon, a priori, ce qui se mange, il y a de fortes chances que ce soit dans la cuisine. T'as une petite larmiche à droite. Je pleure. Ouais c'est vrai. Donc bah c'est bref. Ce qu'il y a dans le frigo, ce qu'il y a, enfin bon bref, on s'en fout, on se fera chacun un petit truc de 5 produits et on fera goûter à l'autre et il devra deviner. Et voilà, on s'est dit, on se fait pas de vache, on peut se faire goûter du salé, après du sucré ou du sucré, après du salé, enfin bref. Mais voilà, pas des trucs qui font pleurer les yeux et tout ça parce que c'est ça. Ça, je suis pas trop fan de ce genre de trucs. Ok. Pas non plus. Faut voir. Mais il va quand même me faire une vacherie parce qu'il va bien falloir qu'il se venge. Mais une vacherie gentille. Ah, une vengeance. J'avais dit qu'on ferait plus court, on a encore fait trop long.
Ouais, on rigole. Bref, c'est là, pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Faites péter les pouces pour qu'on vous fasse cette fameuse vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Faites exploser le compteur. Parce que autrement, on le fait pas. Bon bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas les petits commentaires en dessous pour vous dire si ça vous a plu et puis si ça vous tente, du coup, le qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche en restant soft. Mais... Et habillé. Et... Bon dis donc. On n'a plus qu'à vous faire plein de gros bisous et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut tout le monde.